Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Chroma Squad, toujours dans la salle qui résonne. Et donc chers amis, on va lancer la partie et moi j'ai quelques nouvelles, donc du jeu, pas de la chaîne, hein, mais du jeu, donc Chroma Squad, à vous annoncer, en l'occurrence, donc une amélioration du jeu en règle générale, une amélioration donc de la barre de commande audience, une amélioration des boss mecha, donc c'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans la prochaine mise à jour. Amélioration de la barre d'audience, amélioration, donc réduction des bugs tout simplement. Et surtout l'arrivée prochaine d'un éditeur de niveau. Donc bah, moi ce que je ferai sûrement, c'est que je vous linkerai l'éditeur de niveau peut-être. Et je vous ferai écrire des niveaux. Que je ferai peut-être passer après directement en vidéo. Ça me semble être une bonne idée, j'y ai pensé quand j'ai lu le petit truc de mise à jour. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Et pour l'instant, on va reprendre là où nous en étions. On a une lettre. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, on a un petit peu foiré le dernier épisode. Best Decision Ever Made. Charles Rocher, The Guy Who Dropped the Camera, gmail.com. D'accord. Mon nom est Charles Rocher. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis vraiment fier de ce que vous avez fait. Quitter le studio et mettre en marche le vôtre a été certainement une des meilleures choses que vous avez faites. J'étais sur le plateau de tournage quand vous êtes parti. La tronche du docteur Mia était complètement. Était vraiment à voir, j'imagine, c'est ça que ça veut dire. Vous vous rappelez probablement pas de moi, mais j'ai passé la plupart de mon temps derrière les caméras. Parce que j'ai passé la plupart de mon temps derrière les caméras. Mais je regarde vos prochaines. Est-ce que t'es pas le gars qui a fait tomber la caméra durant cet épisode? Ouais, bon bah écoute, t'as pas besoin de me le rappeler, mais j'ai déjà une très mauvaise réputation, alors bon. Bah quoi qu'il en soit, bah bonne chance pour l'avenir. Bon bah c'est sympa, malgré tout on a un fan en plus. Bon. Shop, parce qu'on a des nouveautés. Non. Oh, si! Change World! Ouh, écoute combien, 1500 bourrins, putain. Bon. Crafting, est-ce qu'on peut crafter l'arme? Ça se trouve, avec un peu de chance. Non, du tout. Ah oui, moi j'aimerais bien retrouver des armes, mais uniquement les armes spécialisées avec les rôles, quoi. Apparemment, c'est compliqué. Bon bah, écoutez, on va y aller, on va se lancer après tout. Pourquoi pas? C'est parti. De toute façon on en a plus qu'un. Donc partie numéro 1. Garder tous nos héros debout, battre 6 ennemis. Ensuite battre 3 ennemis dans le même tour et attaquer le boss avec le teki 4 fois. D'accord, pourquoi pas. C'est une belle journée et les bonus rangers ont décidé de faire un pique-nique. Plutôt que de se relaxer donc une journée au parc. Quoi qu'il en soit. Ce qui leur arrivera était peut-être un autre monstre avec un plan diabolique pour les battre. Pourquoi pas? Allons-y. Ah, c'est comment qu'il s'appelle dans Tekken? Un instant, je vais regarder comment il s'appelle dans Tekken. Mokuju. Mokujin, c'est pas ça, c'est pas Mokujin? Mokujin, voilà, c'est ça. Et bah c'est Mokujin. Enfin! Je suis enfin dans la queue pour essayer et battre ces héros appelés les Bowie Strangers, voilà. Hop. Les autres monstres m'ont pris pour un fou. Mais je vais leur montrer, les arbres peuvent être des êtres vraiment intelligents. J'ai entendu que les bonus rangers venaient ici pour un pique-nique. Je vais prétendre d'être un arbre normal et BAM! Moi, ha 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 ha, le meilleur plan du monde. Best plan ever, comme dirait l'autre. Je suis tellement malin que je devrais même changer mon nom en Tribird. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, les voilà!
Non, t'es sérieux, tu vas rester là comme si. Quelle belle journée pour un pique-nique, Pinky! C'était vraiment une super idée. Ce move. Avec tout ce qui est arrivé, je pense juste qu'on en avait besoin. Regardez un nouvel arbre dans le parc. On devrait totalement s'asseoir à côté de lui. What? D'accord. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas. Oh merde, je viens de péter ma combinaison. Green, t'étais pas censé t'occuper de ça l'autre jour. C'était encore cassé. Enfin, c'est encore arraché. C'est pas ma faute, White. Enfin, Red. Ça continue à arriver si tu continues à te mettre dans des positions complètement extrêmes. Et en plus, je ne suis pas ton employé. Répare ça toi-même. Arrêtez, c'était supposé être une journée dans laquelle on devait s'amuser ensemble. Je peux le faire si tu veux. Je reviendrai dans quelques minutes. Ah d'accord, on n'est que trois. Quoi qu'il en soit, où est-ce qu'on en était? Pourquoi on s'assiérait pas sous ce nouvel arbre? On pourrait se préparer pour un pique-nique et have a bite. Je connais pas cette expression. Je la note, je vais la demander après. Hop. Hop, voilà. Ça me semble être un bon endroit. Maintenant, mes mignons, attrapez-les! Ah oui, on est clairement entouré, par contre, ça c'est fun. Ils sortent toujours des chiottes. J'adore les pique-niques of Easy Prey, boss. Appréciez-le bien. Je regarderai juste pour l'instant. Thanks for sharing. Merci de partager. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 ennemis. Comment je suis censé en. Oh bah d'accord, un seul coup. Bim. Ah d'accord, ils vont arriver par la suite. Parfait. Hé hé. Hop. Ben on en est à 5, hein, c'est cool. Oh, l'esquive. L'esquive de la balle. C'était pas parfait, ça. Bim, voilà. All hail Marcus. Pép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 
Voilà. Aïe. Bon, la première partie est faite. Deuxième partie. Je vois que vous avez réussi à passer à travers des moments tronçonnés, on va dire, entre guillemets. C'est, enfin, vous voyez, c'est les coupés, une scène qui est coupée, une scène qui est tronçonnée. Pour l'instant. Les bonus rangers ont essayé d'esquiver le, enfin de comment, de ne pas être emmerdés par Woodman en changeant leur place de pique-nique, mais le monstre les a suivis. C'est l'heure de la fuite. Oh non. Oh non. Attends. Alors, wood pour le bois, vous voyez. You let me axe pour ask. Axe c'est H, ask c'est de poser une question. Donc, wood, bois, est-ce que tu me laisserais H une question? Voilà, parce que ça, c'est la traduction à la base. Mais en VO, c'est génial. Parce que c'est would you let me ask you a question, normalement. Comment oses-tu? Tu barking, je sais pas ce que ça veut dire barking, le mauvais arbre. Barking, il faut que je regarde aussi. Mon vocabulaire laisse à désirer, j'ai l'impression. Tu apprends bien, Black. T'es comment, t'es... Ah mince. Oh, c'était blague en gros, mais c'est pas ça. Tes calembours sont de meilleure qualité. Mouaha. Oh putain. Je vais t'éjecter hors de ce parc, mais c'est branche. C'est une branche. Tout simplement. Hop. Une fois. Je sais pas si ça compte comme une deuxième fois. Apparemment non. Il n'y a pas d'autre ennemi. Deux fois. Et look. Hop. Little Roots. Oh la vache. Et bim. Squirrel's kick. Bim. Hop là. Non, quel con. Ah, quel con. Together, ensemble, sommes invincibles. Non, pas de counter. Ouh, ça c'était stylé ça. Ça j'apprécie comme technique. Je mets derrière pour heal. Hop. Je suis là, allons-y. Non, pas le counter. Oh putain. Le counter de la mort quoi. Je peux le faire aussi. Elle est pas mal cette technique, j'aime beaucoup. Je trouve ça stylé en fait. C'est un petit côté ninja presque, je trouve. Ouais, c'est le multiclonage de Naruto qui me fait penser ça sûrement. Tiens, tâte de ma hache, bout de bois. Boum, fallait la faire au moins une fois dans l'épisode de toute façon.
Il est temps d'en finir. Piou. Et ben voilà. Cette fois-ci, on a honoré notre contrat. Oak, c'est un oak, c'est quoi? C'est un sapin. Ou non, c'est pas un sapin, je sais plus ce que c'est. C'est un arbre, en fait, c'est une race d'arbre. Enfin, une espèce d'arbre. Vous pensez vraiment que vous avez gagné? Ouah, il s'est régène. Ah, putain. Donc je n'aurais pas je n'aurais pas pensé que tu avais une seconde vie. Mais en disant au lieu de mettre Wooden, W-O-U-L-D-N apostrophe T, ils ont mis Wooden, boisé. Oh, voilà les meilleurs. Oh putain. Voilà vos amis, alors qu'ils parlent en fait de Flons. Normalement c'est les... C'est pas le tronc, je crois. I was rooting, les roots, c'est les comment, les... Bah, les comment, les racines. Je pensais que vous ne seriez jamais venu, qu'il ne serait jamais là, que vous n'auriez pas eu votre playmec. Est-ce que t'as réussi à réparer ton pantalon? Pas encore, Green. Maintenant, enregistrons la partie avec le playmec. Avec un pantalon troué. Au niveau de l'arrêt du cul. Mais c'est pas grave. Pipidipidi. Bim. 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 Ah, dommage. Ah, raté. Concentre-toi, Marcus, concentre-toi. Tu me diras, il n'y a pas grand danger, mais... Allez, on retente le coup. Ah, dommage. On va se prendre une attaque spéciale. Ah. Ouh, elle a fait mal. Bim. 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 Ah bon. Voilà. On a régène. Bim. 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 Bim! Les défenses. Perfect. Ouf. D'accord, bah si c'est cool, alors si je fais. Si quand je fais défendre un awesome, ça suffit. C'est méga cool. Allez, je tente! Oui, ça passe! Bim! Mais il y a aussi une amélioration donc des combats des playmakers, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Hop! Ramène-toi! Et non! Et non! Et non! Bouffe ça! C'est parti! Bazooka! Et ça, c'est pas trop cool? Mais encore une victoire de canard! Pim, 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 pim. Ben voilà! Ça, c'est un super épisode! Hé, hey, toi, regarde les bonus en jeu. Dimanche est pratiquement déjà terminé, mais au moins je suis heureux d'avoir regardé bonus en jeu. Les bonus en jeu sont trop super mimi. Cage action, finally. Sauver la terre, les bonus en jeu. Ouais, cool, on a chopé 500 fans en plus, c'est énorme. Bon, on a deux lettres, on a plein de choses. Est-ce que c'est pour le lead ou pas? Ah putain. J'aurais aimé que ce soit pour le lead, que ce soit spécialisé pour le lead en fait, mais non. Toujours pas. Ok, pourquoi pas.
Bah écoutez, regardez vite fait si on a des trucs à crafter. Non, rien du tout. À recycler non plus. Ah, on pourrait faire d'autres choses par contre. Intéressant. Intéressant, intéressant. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.